الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certainement tout grandir, tout mérite, tout louange, tout remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction de ce dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. N'y a pas de faveur qui nous aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. On fait accomplir la salat al-Isha avec Jama'a, c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous écouter un cause, pour nous écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème qui nous fait choisir, ou bien pour frère Shabir, c'est la violence prenant sa place dans l'islam. Une parmi les mauvaises conceptions qui certaines énale l'islam, c'est que l'islam est une religion qui fait répandre grâce à l'épée et qu'il y a une religion qui prône la violence. En vérité, ça est totalement fausse. En vérité, ça quelque chose là est complètement fausse parce que l'islam entend un dîn, entend une religion qui vient préparée par le Créateur, Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala est plutôt une source de paix et un moyen qui insane, qui l'homme les jouir la sécurité, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Voici certains points qui nous pouvons élaborer, qui prouvent que la violence n'est pas une sa place dans le dîn de l'islam. Le Créateur, Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, est un celui qui en a beaucoup, beaucoup pitié. L'islam n'est pas une religion qui est basée sur les fausses histoires, n'est pas une religion qui est basée sur les conceptions qui n'est pas logique. L'islam, c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé et il fait satisfait avec ça pour l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec sa dîn là pour l'insan. Basant l'eau là, nous comprenons qu'il est impossible que l'islam lui prône la violence parce que Allah subhanahu wa ta'ala se pitié l'illimité. Jamais il fait enseigner l'homme pour être violent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7, ayat 156, « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Mon rahmat li englobe tout quelque chose. Hadith rapporté par Omar, radiyallahu anhu, il dit « Ti amène ben prisonnier kut Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et parmi ti ina ben madame qui ti chies ben quelque chose. Ti ina ben madame qui te péchait quelque chose. Tout à coup, les filles trouvent un petit enfant parmi les prisonniers et sa madame-là, les filles prend sa petit enfant-là, les filles s'élit avec son ventre et ensuite les filles commencent à allaiter sa enfant-là, les filles commencent à faire sa enfant-là boire du lait avec lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: est-ce qu'ils ont pensé
sa maman là capable de ses enfants dans du fait nous fin dire non c'est à mal Allah subhanahu wa ta'ala il pas pour faire ça volontairement alors Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fin dire certainement Allah subhanahu wa ta'ala li en a plus pitié l'eau sur un esclave qui sa maman là en a l'eau ses enfants là. L'islam lui enseigne nous aussi qui nous disait une pitié pour nos prochains, nous disait une pitié pour les autres. Un musulman qui est conscient que Allah subhanahu wa ta'ala, son rahmat, il est bien grand, il y en a beaucoup pitié. Il n'est pas pour permettre, ça dit mon là, il n'est pas pour permettre pour agir violemment envers son prochain. Il n'est pas pour permettre lui pour agir violemment envers les autres. L'islam enseigne nous pour toujours gagner pitié l'eau nos prochains. L'islam enseigne nous pour toujours nous gagner pitié l'eau ben les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit Man la yarham innas la yarhamhu Allah azza wa jal. Celui qui pas gagne pitié l'eau ben du monde, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour gagner pitié pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجية لإكزامب دي من مؤمن لإكزامب دي من كيفين أمن إيمان أن الله سبحانه وتعالى دزوت لافكسيون أن ألوت دا بيتي كي زوت غاني أن بو لوتر et la sympathie qui jette ena en zot il paraît comme un l'écho quand un membre de sa l'écho la souffert entier sa l'écho la passe la nuit à cause lui et gagne la fièvre et l'islam entend un din complet qui Allah subhanahu wa ta'ala il satisfait sa din la pour insan l'islam enseigne nous pour pas faire l'injustice l'islam enseigne nous pour qu'il nous pas faire l'injustice. En général, une personne qui commence à agir avec violence, à partir qu'il est ressenti le plus fort qu'il les autres. Quand un démon commence avec la violence, c'est quand il ressenti le plus fort qu'il se prochain. Qui fait, il pense la cause capable de plus l'argent, il pense parce qu'il grand ma tête en tout, il pousse quoi, il est barbel, la cause, il senti le capable plus fort qu'il se prochain. Quand il trouve le plus fort qu'il les autres, les là ça rentre de ce l'esprit qui est capable de faire dominer avec Dimon. L'esprit dominé rentre dans lui. Alors, il commence à faire l'injustice avec les autres. Dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous pour faire l'injustice. C'est lui qui garde les propres contre l'injustice, contre vol. Pour la permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon là, il n'est pas pour agir brut, il n'est pas pour agir brutalement avec ce prochain. Il est pour garder le calme. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala fin dit. Ça c'est un hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit Ya ibadi, ô mon ben esclave. إني حرمت الظلم على نفسي مفين في الانجستيس حرام لو موا وجعلته بينكم محرما اي مفين ديكت لي حرام كوزت اوسي فلا تظالموا الو ففي الانجستيس ان الوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجي الظلم ظلمات يوم القيامة. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam meilleure créature qui fait mort c'est l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala un qui pas cause par sa passion un qui pas cause par son désir mais ses révélations qui révèlent à lui comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans surah An-Najm wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha li pas cause par sa passion. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'est pas cause pour sa passion, n'est pas cause pour son désir, mais vraiment ces révélations qui révèlent à lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Al-zulmu zulumatun yawm al-qiyama »
لدي الانجستيس سنواتي لجوج قيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. Quand à bonne, quand à bonne qualité, qui sauve une personne contre Allah subhanahu wa ta'ala sur punition, c'est faire la justice d'un moment de colère et d'un moment de satisfaction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَى. Quand à bonne qualité, qui sauve une personne contre punition Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui s'agit mon là il fait la justice en moment de colère et aussi d'un moment de satisfaction. L'islam encore en tant un digne qui complète que Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir pour l'homme, il enseigne nous pour vivre comme ben frère. Il fin enseigne nous pour vivre comme ben frère au cours. L'islam c'est une religion qui écrase tout ben barrière qui est né dans la société en relation avec différentes races. Les filles enseignent-nous pour vivre comme bon frères, malgré nos différentes couleurs, malgré sans là les clairs, sans là les noirs, sans là les jeunes, et aussi malgré qu'ils sont là riches ou bien sans là les pauvres. L'islam enseigne-nous pour vivre comme bon frères. Basant l'Ola, nous comprenons que l'islam enseigne-nous pour avoir l'affection pour nos bons frères et non plus nous faire dominer avec eux avec la violence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 40 surah al-hujurat ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama al-mu'minuna ikhwa. Certainement ben qui finamen iman, certainement ben croyant zut ben frère. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam le dit: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجيا للمسلمين لفريد أن لد مسلمين il n'est pas malhonnête envers ce frère, il n'est pas malhonnête envers lui, il n'est pas cause menti envers lui, il n'est pas abandonné lui quand ça insane là, quand ça frère là, les bisins se suppose. Chaque musulman, les haram, l'autre musulman se l'honneur, il n'est pas gagné droit tous se l'honneur, il n'est pas gagné droit tous se dit bien, et il n'est pas gagné droit tous ça dit mon là se dit sans. Et Haditha continue, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: At-taqwa ha-huna, taqwa li ici, dans l'équerre. Il suffit qu'une personne finisse faire une mauvaise action, s'il prend ce frère pour inférieur, s'il considère ce frère pour inférieur. Il suffit qu'une personne finisse faire une mauvaise action, s'il prend ce frère comme inférieur. Il prend ce frère, il considère ce frère comme un démon inférieur à lui. L'islam encore, en tant qu'un digne, que Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir pour insan, ça dit là, il vient une source de sécurité pour les autres. L'islam, il enseigne nous pour venir une source de sécurité pour les autres, pour nos belles prochains. Un bon musulman, c'est qu'il finit comprendre qu'il y a une source de sécurité pour les autres, et alors jamais ça insane là, jamais ça démon là, il vous servit, ça quelque chose qui appelle violence, pour qu'il y ait une nuisance dans la société. Ça démon là, quand il finit connaît qu'il y a une source de sécurité, à aucun moment ça insane là, il n'est pas pour servir la violence, et à aucun moment il n'est pas pour vivre une nuisance dans la société. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li dit: al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li dit: le musulman c'est celui qui les autres musulmans en sécurité, et le musulman c'est celui qui les autres musulmans sain et sauf de la langue et de la main. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سنوسي سعد بن مالك بن سنان لديه
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المسلمين أفضل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في العقود الليجية بلاتي كيسيون رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سن لا ميي بارمي بن مسلمان أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ليجية كي سن لا كي ميي بارمي بن مسلمان اللي فين ريبون سي لوي كي بن مسلمان Vous êtes saint et sauf de sur la langue et de sur la main. C'est celui qui, ben musulman, vous êtes sauvé, c'est-à-dire vous êtes saint et sauf de sa l'autre musulman là sur la langue et sur la main. Alors l'islam lui enseigne nous pour qui nous pas une nuisance dans la société et aussi pour qui nous pas une violence avec du monde. Comment nous faisons comporter nous avec nos prochains. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإسلام enseigne pour agir avec douceur. L'islam li enseigne pour qui nous agir avec douceur. La violence pas capable et n'a sa place dans din l'islam parce que رسول الله صلى الله عليه وسلم li un modèle pour nous. Li nous modèle li ti toujours une personne qui ti douce et li ti une personne qui ti calme. Elle fait enseigne nous pour qu'il nous embellisse nous par la douceur, nous embellisse nous avec la douceur et nous reste calme. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam le dit Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala les doux et les contents la douceur dans tout bien quelque chose. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيع إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله الله سبحانه وتعالى لدو إلي كونتان لا دوسور دان تو كيكسوز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيع عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أجيع avec la douceur. Agir avec la gentillesse. Certainement, la douceur pas reste dans aucune action, excepté qu'il y embellisse sa action. Et la douceur pas être enlevée dans aucune action, excepté qu'il y fait sa action là, vine vilain. Il y fait sa action là, vine désagréable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, Man yarhamu rifq, man yuhramu rifqa. يحرم الخير كله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول celui qui fin être privé de la douceur celui qui fin être privé de la douceur li fin être privé de tout bon quelque chose un dimon si fin être privé de la douceur sa dimon là fin être privé de tout bon quelque chose l'islam Enseigne-nous aussi pour qui nous pardonne nos mêmes frères. Si arrivé fin et amène bis, si arrivé fin y a un problème avec un frère, l'islam enseigne-nous pour qui nous pardonne nos frères. Un bon musulman n'est pas un dimon qui garde rancune. Un bon musulman n'est pas un celui qui garde rancune dans son équerre et non plus qui y fait et non plus il nourrit sa quelque chose qui appelle la haine. Et non plus ni nourrit sa quelque chose qui appelle la haine dans son cœur pour se frère. Si une personne qui arrive mal agir avec nous, si arrive une personne qui mal agir envers nous, alors l'islam fin enseigne nous pour pardonner. L'islam fin enseigne nous pour pardonner. C'est lui qui fin jouir, goûte pardon son frère, jamais ne pense à quelque chose qui appelle la violence. الله سبحانه وتعالى جاء في ثالث سورة القرآن في سورة العمران جاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى جاء في ذلك آل بيبادون ديزو تراب إسا جنة كيلتين بريباري
qui se largent, les plus larges, les distances qu'il y a entre les ciels et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, les comptes ben muttaqin. Ayat là continue, Allah subhanahu wa ta'ala, les qualifiés ben muttaqin, les dit, alladhina yunfiquna fis sarra. C'est un qui les dépense dans la facilité. Il y en a l'argent, les dépenser. Alladhina yunfiquna fis sarra wa dharra. Et les dépense dans la difficulté. Wal kadhimin al ghayb. C'est lui qui en colère, les retenir à ce colère. Wal kadhimin al ghayb. Et qui lui fait encore, c'est qui lui pardonne ce prochain. Lui pardonne Benjamin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala lui content ben qui fait le bien. Et ben qui fait le bien seulement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun moment, il ne faudrait pas en arrière, qui s'adit mon là, il peut faire action pour faire plaisir à une sainte. Ou montre religieux une sainte. Alors là, il rentre dans l'arrière, il rentre dans Shirk al-Asra. رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي سل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي garde relation avec celui qui casse relation avec toi. لدي encore donne celui qui prive toi. C'est quelqu'un pas donne toi mais toi donne lui. Et pardonne celui qui fait l'injustice envers toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit garde relation avec celui qui casse relation avec toi et donne celui qui prive toi et pardonne celui qui fait l'injustice avec toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui dit wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas augmente pour un serviteur. Il n'y a pas augmente pour un serviteur excepté l'honneur. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas augmente pour un serviteur car il pardonne ce prochain excepté il augmente sa dimoula sur l'honneur. Sa dimoula est une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car un dimon, il pardonne ce prier. Un dimon, il est arrivé un patron de travail. Il est arrivé un professeur dans l'école. Si ce travailleur fin mal agir avec lui, si ce élève fin mal agir avec lui, qu'il fait pardonne lui, wal afina anin nas. C'est ça même dimon là que Allah subhanahu wa ta'ala fin qualifie eux comme ben muttaqin. C'est ben qui pardonne ben dimon comme ben dimon fin mal agir avec eux. Non plus nous dire dimon là mal agir avec moi, moi ne dis pas beaucoup plus mal agir avec lui. Non, l'islam va enseigner ça quelque chose là. L'islam enseigne-nous, pardonne aux frères, et pas ça qu'on pardonne aux frères, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner. Rapporté par Abu Darda, radiyallahu anhu, les dire, « Qultu ya Rasulallah, mufin dire, ô Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dallani ala amalin yudkhilni al-jannah. » Montrez-moi une action qui passe cette action-là, qui pour amène-moi vers Jannah. « Qala la taghdab laka al-jannah. » رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جري با ان كولير سا امن اي بو جننا ان ديمون با ان كولير سا امن لي في جننا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي لا تغضب با ان كولير لك الجنه ان ريتو كي تبو غاني ان ريتو كي تبو غاني جننا كي جننا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ان جننا qui aucune oreille pas fin tendue, qui aucun léger pas fin trouvé, qui aucun léquier pas fin capable imaginer comment il était sa jannah là. Qui ça dit mon alifia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la taghdab lak al jannah, pas en colère que pour gagner jannah en retour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Si quelqu'un parmi eux gagne colère, si quelqu'un parmi eux finit en colère, qu'il reste tranquille. Il n'y a pas cause dans lui. Parce qu'il y a un démon. La colère finit prend lui, il finit gagne colère. Alors, là, il commence cause toute qualité gonance. Il commence cause toute qualité malpropreté. Là, il commence jouer, il commence une violence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit wa idha radiba ahadukum falyaskut. Si quelqu'un parmi eux finit gagne colère, qu'il reste tranquille. Qu'il reste tranquille, il n'est pas cause dans lui.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجية إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس سيكي كان بامزوك فين جاي كوليا سيكي كان بامزوك فين أن كوليا pendant qu'il peut débuter alors qu'il y a assisé فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع Si sa colère là fin aller, li bon. Si sa timon là fin assiser et sa colère là fin aller, li bon. Et si là aussi, li pas fin aller qui arrive, sa timon là, li mettre allongé, li allongé. Si un timon, si un parmi eux fin gagne colère, qui lui fait, li peut, si li peut débouter, li assiser. Et si colère là fin aller, li bon. Et si colère là pas fin aller, qui lui fait, li mettre li allongé, li allonge sur les corps. Et un timon. En tant qu'insan dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin dire خلق الانسان ضعيفا Insan fin être très faible. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ça, à aucun moment, alors un démon ne faudrait pas le sentir libre de faire ce qu'il y a envie. Ce qui se désire, Dieu lui faire. Ce qui se passionne, que ce passion amène lui faire. En tant qu'insan dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, un démon a été glissé faire péché. Arriver désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Arriver gagner la guerre avec son frère, les discuter avec son frère, gagner même bis. Mais qui lui a fait? Il reste comme ça même jusqu'à quelle mort? L'islam entend un deal complet et il montre nous pour qui nous réconcilier quand il arrive nous faire un problème avec nos frères. Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît très bien qui parfois il a même erré d'un comportement de bandimoun et qui ça lui donne naissance à ben amertume. Lui donne naissance à une amertume, c'est quoi? C'est ça même qui appelle rancune. Lui donne naissance à rancune, si pas enlève sa amertume là, si pas les enlève sa rancune là, une fois qui est né dans les quais en démon, sa rancune là fin venir, ça capable aggrave sa démon là plus et qui lui fait faire plus beaucoup errer encore. Si sa démon là, lui pas guéri, les paroles de médecine pour sa rancune qui fine née dans sa dimon là sur l'équerre, alors plie devant, connaît qui sa dimon là pour faire belle quelque chose, qu'il plie grave encore, et finalement, quand sa rancune là, fin vini, et l'éclate, la même livine vers la violence, autrement il peut battre son prochain. Autrement il peut maltraiter son prochain, c'est quand il pas fine, guéri, sa maladie qui fait née là, c'est rancune qui un dimon est née dans son équerre. Pour protéger une société contre ben quelque chose pareil, pour protéger une société avec la violence, pour protéger sa société là contre la violence, alors l'islam fin enseigne nous qui pour faire pour réconcilier. L'islam fin enseigne nous pour faire la réconciliation. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans sourate Al-Hujurat إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Certainement, ben croyant, zut ben frère. Certainement, ben qui finalement iman en Allah subhanahu wa ta'ala, zut ben frère. Alors, réconciliez zut de frère. Gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il gagne pitié aux zut. Afin qu'il gagne pitié aux zut. L'islam fin de nous se remède. Un djimon, li fin gagne problème avec son frère, se remède ce qui nous réconcilie zut. Ce qui réconcilie sa djimon là. Parce que tant que je te sépare, rancune pour ça le frère là pour continuer à augmenter, jusqu'à l'éclater, la même vers la violence, ou trouver, il peut battre son prochain, il peut maltraiter son prochain, c'est qui, au commencement même, qui n'est pas fin, traite sa maladie, qui fin, commence à naître dans ce liquide là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna afdala sadaqati. إصلاح ذات البين. ميا صدقة. سي لا réconciliation entre bien proches. ميا صدقة كي هنا. سي لا réconciliation entre bien proches. Si arrivé dans la famille, tcha ou bien l'autre frère, deux frères dans la famille, fin gagne ben problème et je pas pécosé, ce qui nous vient faire, ce qui nous réconcilie, c'est un des ben meilleurs صدقة. إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين.
Meilleur sadaqa, c'est la réconciliation de ben proche. C'est la réconciliation entre ben proche. Si n'arrivez pas à un problème entre ben proche, un des ben meilleurs sadaqa qui nous capable de faire, c'est qui nous réconcilier eux, nous faire eux venir ensemble, nous redéfendre eux comme ben camarades. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيء تعرض الأعمال في كل يوم في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا أركوا هذين حتى يصطلحا ده قلت روايتنا انظروا هذين حتى يصطلحا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجيا action de tout ben djimoun est présentée devant Allah Azza wa Jal chaque lundi et chaque jeudi. Et chaque jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne chaque personne qui n'a pas fini faire shirk avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne chaque insan qui n'a pas fini faire shirk avec Allah, excepté qui s'en là, excepté des djimouns. Excepté celui qui fin ena l'ennemité entre ses frères. Si des démons fin ena l'ennemité entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pardonne eux. Excepté quand vous êtes réconciliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quitte ça de là jusqu'à qu'ils soient réconciliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça deux fois. Et dans une autre riwayat, il y a trois fois que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quitte ça de là jusqu'à qu'ils soient réconciliés. أركوا هذين حتى يصطلحا. ديجيمون كيف نجاي لنمتي الله سبحانه وتعالى غتاد زت قادون كيفية بس كي كمان سمن ديجيمون لا بفين في شرك أبي الله الله سبحانه وتعالى في غتاد زت قادون بس كي زتين إن لنمتي إن علوت الله سبحانه وتعالى جاء إنما المؤمنون إخوة certainement ben mu'min ben qui finalement iman en Allah subhanahu wa ta'ala zut ben frère. Dans notre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam il dit wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam il dit il n'est pas permissible pour un musulman qu'il abandonne son frère plus que 3 jours. Il n'est pas permissible pour qu'un musulman n'ait pas cause avec son frère plus qu'il trois jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui dit maintenant ça pour trois jours. Maintenant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause concernant un an. Qui est arrivé si un djimoun n'est pas abandonné son frère pendant un an. Ou bien n'est pas cause avec son frère pendant un an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man hajara akhahu sana. فهو كسفك دمه. C'est lui qui abandonne son frère pendant une bonne année. C'est lui qui abandonne son frère pendant un an. C'est comme s'il fait une veste son frère sur 10 ans. C'est comme s'il fait une touille son frère. Un démon qui pas cause avec son frère pendant un an. Il fait abandonne sa frère là. Les commandiers, il fait une veste sa frère là sur 10 ans. Les commandiers, il fait une touille sa frère là. Alors, qui nous faisait faire, nous faisait presser pour nous réconcilier. Si n'arrivait, fin arrive ben problème, fin arrive ben bise, fin arrive ben problème entre ben frères, ce qui nous faisait faire plus vite possible, c'est la réconciliation. C'est nous faire eux ben camarades, nous faire eux ben comment eux étaient auparavant, nous réconcilier eux. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois si n'arrivait des démons, fin gagne discussion. Puis nous gagnons une séparation, nous amènons eux ensemble. Et chaque fois qu'il nous fait ça, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, la violence pour diminuer dans la société. Par ça quelque chose, la réconciliation qu'il fait entre ben frère, ça est un moyen pour que la violence les diminue dans la société. Et Inch'Allah, deuxième partie, nous ferons Shabir pour continuer. Concernant maintenant, de vous continuer qui l'islam par enseigne pour battre une madame. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.